Ok, donc bonjour à tous et à toutes. C'est parti pour une nouvelle vidéo tuto. Je pense que ça pourrait vraiment bien vous aider. Si vous cherchez un endroit de full farming, mais vraiment intensif, hein, là, faut être corsé, pour avoir de l'or, du diamant, du lithium et de la merde, enfin. Quand je dis de la merde, c'est genre des merdes pour pouvoir en fait alimenter un réacteur bio, tu sais, un bioréacteur en fait, tu vois, pour avoir de l'énergie constamment. Et ben en fait, vous allez ici. Tu sais, dans l'endroit où il y a les bubules là. À 300 mètres de profondeur, 350 mètres de profondeur, vous avez ces léviathans là. Inoffensifs. D'accord? Et en fait, eux, ils vont marcher constamment. Tu vois, il y en a 4, donc là, j'ai vraiment de la chance. Et en fait, vous allez voir que ils vont marcher et ils vont lâcher ça. Et il va vous donner du diamant. Par exemple, là, c'était du diamant. Ouais, faut pas se mettre en dessous, hein, par contre. Tu vois, ils viennent lâcher une merde. Il vient de lâcher un excrément. Et ils font que ça. Ils lâchent des merdes. Tu vois, ils lâchent des merdes. Mais le truc, c'est qu'en fait, à force de taper, tu vois, tu peux trouver du lithium, certaines ressources. Bon, moi, je suis déjà plein, tu vois. Mais regardez ce que j'ai pu avoir. Beaucoup de lithium, beaucoup de diamants, beaucoup d'or et des merdes, tu vois. Bon, c'est un peu drôle hein, quand on dit ça comme ça. Mais dans un sens, ça peut vraiment être utile pour vous. Le fait de récupérer déjà du diamant pour le découpeur laser, c'est extrêmement bien. Les merdes pour avoir les excréments, pour avoir pour avoir de l'énergie constamment. Surtout qu'en plus, un excrément comme ça, ça s'efface pas rapidement. Hein. C'est genre extrêmement lent. Hein. C'est-à-dire que vous allez le mettre dans le bio, c'est genre ça peut tenir, je sais pas, je dirais peut-être 1 heure, peut-être un peu moins. 1 heure, c'est vraiment beaucoup quand même. Hein. Donc et là, vous êtes ici, vous farmez et vous êtes bien. Hein. Vous pouvez avoir du lithium, qui est extrêmement, c'est quelque chose qu'on a vraiment extrêmement besoin dans Subnautica parce que pour créer les bases, pour avoir des renforcements, pour éviter l'inondation, il y a certaines ressources où on a besoin en fait de lithium. Donc tout ça, c'est vraiment important. L'or aussi, pour pouvoir faire les circuits et tout. Donc c'est vraiment important. Donc voilà, vous allez dans ces zones-là, d'accord? Donc c'est à peu près 300 mètres de profondeur. Voilà. C'est où il y a les bouboules bleues. Vous allez voir que quand vous allez dans les zones où il y a les bouboules bleues, vous voyez une bouboule bleue, c'est qu'en fait, vous descendez plus profondément et vous allez rencontrer des sortes de léviathans comme ça. Et puis après, vous allez littéralement lécher les bottes de ces léviathans. Et vous allez voir qu'en fait, à chaque fois qu'ils vont marcher, à chaque pas, hein, vous allez voir, ils vont lâcher des sortes de petits fragments noirs. Et vous allez les péter, et dedans, vous allez avoir quasiment tout le temps de l'or, du diamant et du lithium. Et en plus des merdes qu'ils jettent, c'est une mine d'or. Donc, du coup, moi, je vais me stopper là. Donc, c'était une petite vidéo assez courte qui a duré 5 minutes, 3 minutes. Mais c'est pour vous dire que au lieu de farmer dans les grottes. Et je suis sûr, hein, je sens qu'il y en a certains de vous qui se disent, putain, ça fait chier, c'est où je peux trouver du lithium, oh là là, il n'y a jamais de diamant, nanana. Vous allez ici. Après, ça dépend du pop-up. Hein. Généralement, quand il y a ces léviathans-là, il n'y a pas d'autres ennemis à côté qui vont casser la tête, normalement. Mais quand il y a eux. Généralement, c'est bien. Mais en tout cas, vous voyez, il y a plein de trucs que vous pouvez ramasser tout au sol. Bon, moi, en l'occurrence, je suis plein de fou.
Je vous dis, hein, ça doit faire 5 allers-retours que je fais. Mes coffres sont blindés. J'en peux plus. C'est tellement du farming intensif que je crois même que je vais faire quoi? Je vais mettre 15 armoires et je vais tout placer, comme ça au moins je serai bien. Bref, du coup, moi je vais me stopper là. On verra donc cela pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Oui. Bye à tous.